Salut tout le monde, c'est Gabster. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je reprends FF7 du coup, pile là où je l'avais arrêté. C'est-à-dire au niveau de la rencontre, la seconde rencontre plutôt, avec Aerith. Je me permets d'entrer, hein? Cool. Toi là, t'es qui? Attention, lui c'est mon garde du corps. Un soldat en plus. Hein? Un soldat? Ancien soldat. Voyons ça. Il en a les yeux en tout cas. Garde du corps, c'est bien dans tes cordes. Hein? T'es mercenaire. Hein? Mon intuition me trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord? D'accord, j'accepte. Mais je suis pas donné, tu sais. Je te propose un rendez-vous avec moi. Hein? Ah, t'es un vrai soldat alors. Bah lui aussi, vu ses yeux, non? Première classe. Tu veux me faire croire que t'es première classe? Elle est bien bonne. Mes fleurs, faut pas marcher dessus. T'as entendu? Ce sera pas long. Y a intérêt. Le rôle de garde du corps, c'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois? C'est étrange. Quand est-ce exactement que vous m'avez protégé, juste? Ça, c'est une information confidentielle. Vous autres, voilà. C'est votre tour d'intervenir. Va pas là. Bon, on va le virer et on va le remplacer par analyse, c'est ça que je veux mettre. Voilà. Ouais, et tout le reste, on va garder. Génial! Bon alors. Ouais, ça je me rappelle, voilà. Le rôle de garde du corps, c'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois? Tiens, c'est étrange! Quand est-ce que t'as fait mon coup de ma protégée? Ça, c'est une information confidentielle! Dans ce cas, c'est normal que je n'en sache rien. Non, tu passes au
Voilà, lui maintenant. Oh, c'est vraiment affligeant. Je suis pas d'humeur, mais. À mon tour maintenant! Super chiant. Soit ma mission, j'y prends plaisir. Car je suis un vrai professionnel. Tu veux pas passer un moment électrique avec moi? Ça. Oh!
putain d'enfoiré. Je vais me surpasser. Mais m'occupe avec toi. Ok. Rien de plus facile pour un soldat, non? Allez. Tu vas pas faire le tour entre les jambes, hein? Tiens, c'est cadeau! Hé hé, j'ai fini par l'avoir, cool. C'est pas ce que tu crois, mec. Tout ce que je voulais... Claude, arrête! Je rêve qu'il vole. Chef! Vous êtes blessé! Foutez-moi la paix. Allez plutôt à leur poursuite. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est bizarre. Ils attaquent pas. Hey, ouvrez! Allons-y. Par ici. Je suis sûr que c'est des gentils en fait. Ah, j'étais sûr qu'il y aurait un truc comme ça quelque part. Un talisman. Tu t'es fait mal? Ça va! Peut-être pas. N'avise pas de lui faire du mal, ou tu le paieras de ta vie. Pardon! On a besoin d'elle. Au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en! Ne bouge pas! Je viens de te dire de pas tirer! Oui, mais... Je peux faire tomber ça. Je peux pas la laisser. Je suis son garde du corps. C'est faisable. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas m'approcher. C'est quoi? Une sorte de ça? Bon allez, faut aller par où? Ah, par là-bas, oui.
Ah merde. Ok, faut que j'aille avec elle là-bas. J'avais pas compris ça, moi. C'est fini pour toi. Je vais aller me fight contre eux. Elle a toujours besoin d'aide. Tu peux pas passer en dessous. Peut-être que je peux aller me battre maintenant. Ah bah non, elle veut pas. Ils se sont enfuis sous le toit. On les suit ? Non, on s'en va. Vous êtes sûr ? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe, 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 aïe. Oh, putain ! Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance. Avant qu'ils nous rattrapent. Nous allons nous replier. Ils ont laissé tomber. C'est pas un truc ici ? Ils ont disparu. Oui, ils sont partis. C'est quoi ces choses ? À mon avis... Non, en fait, je n'en sais rien. Vite, partons. Dis, j'aimerais qu'on passe par les toits. Regarde, tu vois le pilier là-bas ? À côté, c'est la gare. Cloud, allons-y. Ok. Merde, à chaque fois je me fais avoir. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Pour l'instant, je suis ton garde du corps. J'ai failli oublier. Après ça, je rentre au bidonville du secteur 7. Tu connais le chemin ? Tu es sûr ? Ouais. J'ai des doutes. Le type de tout à l'heure. C'était un des Turcs de la compagnie Shinra. Qu'est-ce qu'il pouvait bien te vouloir ? Aucune idée. Dis, les Turcs, ils recrutent bien les futurs soldats, non ? C'est qu'une infime partie de leur travail. Ils font bien plus que ça. Ils sont impliqués dans plein de choses. Ils recourent souvent à l'intimidation. Extorsion, enlèvement... C'est vraiment pas sympa. Revenons plutôt à ma question. Quels sont tes liens avec ce Turc ? Vous aviez l'air de vous connaître. Disons que, si ça se trouve, moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat. Laisse tomber. Ben alors, t'es fâché ? Fais attention, ça devient plus étroit. Merci.
n'avez jamais fait ça? Je veux dire, de passer par les toits. D'habitude, les gens font pas ça. C'est marrant. Je trouve ça un peu grisant. Ouais, la première fois. En même temps, je regarde tout le temps sur la mini-carte voir s'il n'y a pas des objets, des trucs comme ça. Attends! Mais attends-moi! Bah viens! Je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat. T'es méchant. On dirait que tout le monde a déserté les environs. Oui. Personne ne nous grondera, rassure-toi. Elle est toute abîmée, cette échelle. Je vais monter en premier. Ah ouais, c'est une église à moitié détruite au milieu de nulle part. Si on dirait plutôt une mine. C'est pas très stable. Fais attention. Oui, chef. Doucement. Ne t'inquiète pas comme ça. Je ne suis pas une princesse en détresse, tu sais. Oh non. Oh, regarde, la muraille. Tu sais, j'ai envisagé d'aller de l'autre côté une fois. Mais bon, en fin de compte, j'y ai renoncé. Bah pourquoi? C'est vrai que c'est dangereux. Au dehors de Midgar, c'est la nature à perte de vue, pas vrai? Ça m'attire. Mais je me dis que j'aurais peut-être du mal à y vivre. J'y pense un peu parfois. Ce paysage, en fait, je m'y suis habituée. Le bidonville est un endroit attachant. Les gens sont courageux et pleins de vie. Parfois, ça se ressent tellement que ça me donne le sourire. C'est vrai que c'est beau en vrai, hein. Photo. Allez. Tu veux pas un truc là-bas? Bon, visiblement non. Cette fois, c'est moi qui passe devant. Autrement, tu avances sans m'attendre. T'es sûr de toi? Mais oui, tu vas voir. Regarde, peut-être que je devrais te laisser là et partir devant toute seule. Tu ferais surtout mieux de pas parler. Dans ce cas, parle-moi un peu de toi, tiens, je t'écoute. C'est pas mon boulot. Méchant. Tu peux. Oh.
Tu vois ? Me donne pas plus de travail. On va s'amuser ! Tu peux sauter ? Oui, bien sûr. Je te remercie. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi. C'est un compliment. C'est une raillerie. Va falloir t'habituer. Ici, nous sommes près de la gare du bidonville. C'est quoi ça? Et ici, on va lui mettre quoi ? Salut les runners ! Celui-là ou celui-là ? Bon, on va lui mettre ça. Améliorer ça. Déjà ça, c'est obligatoire. Ça aussi. Et voilà. Augmenter CPM à Cloud, voilà. Maintenant, il me reste ça à faire. Ça peut être bien ça. Cible, on va lui mettre le soin de Tifa. En dernier, on va lui mettre. Foudre de Barrette.
sert à quoi, Vision? Ouais, ça a pas l'air d'être ouf, ça. Ouais, ça peut être bon comme ça. Quoique celui-là, je préfère lui mettre quand même foudre. Feu, je veux dire. Voilà. Mais malheureusement, pour ceux qui passent par là, il y a des créatures dangereuses. Eh ben... ça n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser. C'est que des créatures urbaines. Y a pas de quoi s'inquiéter. Oh non, voilà! Alors... ça va te calmer. C'est quoi l'ennemi que j'ai trouvé là? Tétarosaure, c'était ça. Ok. Ça, c'est mon boulot. Et moi, je me tourne aussi. Tranquille. Tu ne connais pas très bien le bidonville, n'est-ce pas? Pas autant que toi, j'ai l'impression. L'entraînement, la caserne, le combat, c'est tout ce qui existe dans mon monde. Je rêve ou tu te la joues un peu? Alors... c'est pas une bidonville ici, c'est une vraie décharge là, endroit. C'est Mad Max en fait. C'est ça la gare. J'aurais deviné tout seul. Ah bon? Je croyais que ça n'existait pas dans ton monde à toi. Très drôle. Franchement, qui prend un train ici? Sors d'où tous ces gens, ils vivent dans les poubelles. Qui aurait pu imaginer que ça arriverait? Je vous en prie, gardez votre calme. Hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman, regarde! Du calme, reste sage, s'il te plaît. Il y a du monde ici. C'est un bon endroit, si on veut voir le réacteur. Regarde. Oh. Il est vraiment en train de brûler. Et ça les amuse. Mais non, ils sont inquiets surtout. Iris! Il est où le machin qui brûle? J'arrive pas à le voir. Bon.
Alors... Voilà, ça c'est pour elle. Ah, j'ai pas remède comme matériel. Ouais, celle-là, je l'ai pas. Hop. Je regarde pour elle, c'est ça. Activer. La zone est dégagée. C'est un mec de la Shinra, vu comment il se la pète. C'est un des Turcs. Ouais, voilà. Ils n'arrêtent jamais de travailler. Ils tiennent vraiment à attraper leur proie. Qui ça, moi ou bien toi? Que ce soit toi ou moi, il faut éviter qu'ils nous repèrent. Alors, on n'a qu'à passer par derrière. Oh. Mais par là, il y a des bêtes. Je préfère ça à la Shinra. À la limite, je peux essayer de le lancer comme ça dans un combat, voir ce que ça fait. Ouais, bon, on verra bien. C'est plein de sucre, plein de graisse et plein de calories. Tu vas te faire repérer. Inimaginable, crois-moi. C'est une décharge de la Shinra ici. La plupart des gens du bidonville s'aventurent rarement plus loin que l'entrée. C'est l'endroit parfait pour se cacher. Pas étonnant que personne n'y vienne. Elles surgissent vraiment de nulle part. Ces créatures. Ce sont des prédateurs. Elles cherchent des proies faciles. Mmh. Dans ce cas, Cloud, tu devrais te méfier. Ça va, c'est puissant. Il faut que je fasse ça combien de fois du coup?
Ok, trois fois. C'est par ici. Chemin, on doit pouvoir faire le tour. C'est quoi ça? Il a des bras comme des brandis, mais il est bien baraque. Hein. Ah, c'est parfait. Espèce. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle ne commence pas par la croix facile. Ici. Bracelet ténébreux. Je vais quand même voir c'est quoi. Je dois attendre là. Du bidonville. On a encore du chemin.
Il faut dire qu'on a fait un détour aussi. Tu es fatigué? Tu rigoles? Eh bien moi, ça m'a creusé l'estomac tout ça. Pas toi? On a d'autres soucis. T'inquiète, on va chez moi, je t'invite à manger. J'aurai pas le temps pour ça. C'est ma mère qui cuisine, elle est très douée. Allez, tu ne peux pas refuser. Dépêchons-nous d'y aller et de nous mettre à table. Pas des trucs ici. Ne t'avance pas trop. Je vais te soutenir. Bah voilà. Ah. Encore une fois, et ce sera bon. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tirer un genre d'arène, mais y a rien du tout. Alors, d'ici c'est par où? À gauche. Il faudra peut-être revenir plus tard. Ah, si on va derrière, il y a un passage là-bas. Que j'avais pas vu. Ouais, là. Il aurait mieux fait de rester immobile. Ça me va. C'est quoi ça? Je prends les devants. À toi de jouer. Ça va aller. Et le dernier. Vous prenez ça.
Hop là, tranquille. Ah. C'est la porte de tout à l'heure. On peut peut-être l'ouvrir de ce côté-ci. Cloud en chef d'équipe, voilà. Ah, comme ça il peut sauter, ok. Est-ce que tout ça va se déverrouiller par la suite? Non, il bouge les poutres de métal comme ça. Nous sommes en sécurité à partir d'ici. N'oublie pas les Turcs. Oh. Ils pourraient surgir à tout moment. Mieux vaut ouvrir l'œil. Ah ouais, moi j'ai fait tout le détour par là. Par là-bas, c'est la gare. Il y a quelque chose qui te tracasse? J'arrive pas à m'habituer au bidonville. J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate maintenant. Le bidonville du secteur 5 est par là. Qu'est-ce qui se passe? Mais... Eris, hey, c'est qui le Kletzer? Depuis qu'il y a eu cette fusion. Nous venons juste d'avoir un gros arrivage de lessive en cours. Nous sommes en direct à l'intérieur du réacteur Mako numéro 5. Comme vous pouvez le constater, il se dégage encore beaucoup de fumée. Nous voyons ici une passerelle en partie effondrée. Cependant, les foyers d'incendie semblent maîtrisés.
avoir une récompense ou pas? Pardon. Jamais de vous êtes bien la directrice du département de l'armement, n'est-ce pas? Tu vas nous porter malheur, imbécile. Permettez-vous que je vous pose quatre questions. Plus tard. Leurs cibles, ce sont les réacteurs Mako. Pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans le réacteur? Est-ce que les trains... Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Pourriez-vous nous éclairer un peu? Très bien. Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés. Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver. Nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre. Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre enquête. Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1. Ces images sont issues des enregistrements du premier attentat. On y voit des terroristes du groupe Avalanche. Nous pensons qu'ils se cachent encore quelque part dans Midgar. Justement, ce deuxième attentat a été perpétré peu de temps après le premier. Devrions-nous nous inquiéter pour la Shinra? Qu'insinuez-vous donc par là? Rien, c'est que... Il insinue. Il n'y a pas de quoi s'affoler. La Shinra ne se laissera pas ébranler par si peu. Arrêtez tout de suite de filmer! Cloud, partons. Il faut qu'on se tienne prêt à se battre, nous aussi. Moi, je suppose que je pourrais le visiter plus en détail plus tard. C'est un stratagème du Wutai. Ils peuvent compter sur moi, en tout cas. Pour un voyage de noces, vous... Ah, tu tombes bien. T'as deux minutes pour m'aider? Vous m'avez l'air débordé. Ouais, je m'en sors plus avec les trains arrêtés. S'il te plaît. Désolé, je suis pressé. Je lui donne un petit coup de main de temps en temps. Iris! Hé! Hey, mais qu'est-ce que tu fabriques encore perché là-haut? Je voulais juste voir le réacteur. Ah, il est là-haut. C'est qui, lui? C'est un mercenaire qui s'appelle Cloud. Et pour le moment, c'est mon garde du corps. Lui, c'est Hotz. Bon, bah, à plus! Vous devriez vous entendre. Sale gosse. Oh, Iris! Dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous ici? On est allé voir le réacteur Mako! À propos, la maîtresse nous a dit qu'elle te cherchait, Iris. Ah bon? Pourquoi? Elle voudrait que tu viennes la voir à la Maison Feuillue! Dans ce cas, allons-y tous ensemble. La Maison Feuillue, c'est un établissement où sont recueillis les enfants qui n'ont plus de famille. Un orphelinat, quoi. Où est-ce que t'étais passé? T'étais à l'église? La prochaine fois, tu nous emmèneras avec toi? Hey, salut, Iris. Tu as toujours autant la cote? Oui. Ils me donnent un peu de leur énergie. Oui, il en faut tous les jours. Ah, au fait, je te remercie pour les herbes médicinales de l'autre fois. De rien, c'est toujours un plaisir. J'aimerais bien savoir comment tu as fait pour te les procurer. Ça, c'est mon petit secret. C'est qui, lui? C'est mon garde du corps. Il me raccompagne chez moi. T'es sûr qu'il n'est pas dangereux? Allez savoir. C'est le médecin du coin. Je lui apporte des plantes médicinales de temps en temps. Et voilà la Maison Feuillue. Ah, vous voilà! Maîtresse, on a ramené Iris avec nous. Excuse-moi de t'avoir fait venir. Aucun souci, c'était sur mon chemin. En fait, je voudrais te demander de nous apporter des fleurs. Je m'en occupe. T'en veux combien? Plutôt beaucoup. Tu sais, avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a récemment, je pensais nous divertir en décorant la maison tous ensemble. C'est génial. Là, le chien se tombe. J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est l'heure de se laver les mains. Et toi, Cloud? Est-ce que tu aimes les fleurs? Je sais pas, sans plus. En tant que fleuriste, ça me fait de la peine.
Je vais pas te mentir. À propos, la fleur que je t'ai donnée, t'en as fait quoi? Tu l'as offerte à quelqu'un? Ouais. Hein? Je peux savoir à qui? J'ai oublié. Quoi? Tif. C'est vrai, ce mensonge? Bon, c'est pas grave. Ma maison est un peu plus loin, au bout de ce chemin. Ma mère doit y être. Je vais te la présenter. Désolé, mais c'est un peu paumé chez toi. Hein. Mais... ouais, c'est un certain charme. Là, c'est là ouais. que j'habite. C'est superbe. Un peu plus tôt, il voulait te voir. Je te présente ma mère, Elmira. Maman, voici Cloud. C'est mon garde du corps. Merci de l'avoir escorté. C'est mon travail. Ma mission est terminée. Oui, je te remercie. Au fait, tu veux aller au 7-7, pas vrai? Ouais. Alors, je t'y conduis. Je t'ai accompagné ici pour rien alors. Et si jamais on tombe sur les Turcs? Ce serait embêtant, mais j'ai l'habitude. Pour tout te dire, c'est plutôt toi qui m'inquiète. Tu pourrais te perdre tout seul. Et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide. Tu ferais le fier, c'est pas vrai? Tu prétends me connaître, mais... Maman, je ressors. Je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7. Vraiment? Et que dirais-tu de faire ça demain, plutôt? Si vous partez à cette heure-ci, tu rentreras tard. Mieux vaut que vous restiez ici ce soir, pour y aller plus tôt demain matin. Comme ça, vous arriverez là-bas à midi. C'est vrai. Cloud, ça te va? Bah, ça me va. J'oubliais. À la maison Feuillue, on m'a passé une commande pour des fleurs. Si on a un peu de temps, je vais y aller avant le dîner. Cloud va m'aider. C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu veux te plaindre, t'es sûr? Pourtant... t'as une super récompense, non? Tiens, maman, devine. D'accord. Je vais chercher des paniers. Donne-moi une minute. Sacrée Aerys. Elle a vraiment la bougeotte, n'est-ce pas? Pas des trucs à fouiller quelque part? C'est bizarre. Où est-ce que j'ai pu les mettre? Il y en a plein. Il y a plein de quoi? Ah ouais, de fleurs. Hein. Ah, on a une belle vue d'ici en haut. Salut les runners. J'espère que vous allez bien. Tiens, pour toi. Tiens. Allez, c'est parti. Allons cueillir des fleurs, ouais. Suis-moi, je vais te montrer mon beau jardin. Alors, tu parles pas? Ah ok, ouais, je suis obligé de la suivre en fait. Dommage.
avis, lesquels leur feraient plaisir? N'importe lesquels. Fais un petit effort quand même. Allez, choisis. Ça. Ouais, ça peut être mignon avec ça. Dans le langage des fleurs, elles signifient la pureté. Elles sont donc très précieuses. Il en faudrait un peu plus. Dis, qu'est-ce que tu choisis? Ça. Tu vas attirer les chats avec ça. Mais en fin de compte, c'est pas bête. Les enfants ne s'y attendront sûrement pas. Ils ont dit qu'ils en voulaient beaucoup. Alors on va en emporter un peu plus. Ça devrait suffire. Allons à la maison feuillue maintenant. Oui, madame. Pas la peine de te presser. Fais plutôt attention aux fleurs. Je suis pas fait pour ce genre de travail. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis sûre que tu vas faire sensation. Ouais, mais bon, c'est pas tout prêt. Moi, je vais me dépêcher quand même. À ton avis, comment ils vont les arranger, ces fleurs? Je sais pas. On ira voir ça après. Moi, je vais attendre ici. Oui, si tu veux. Mais tu risques de t'ennuyer. Profites-en pour visiter un peu. Ah bah, avec plaisir. J'ai peur des chiens. Ce petit boulot était bien payé. Rebut comme matériat, on trouve vraiment de tout dans ce bidonville. Il suffit de savoir où chercher. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui vendre? Non, tout ça je vais garder. Tu en as pour ton argent. Oh. Te reconnais, toi? Oui, Iris. À la maison feuillue. Ah, Cloud. Qu'est-ce que tu fais là, Chablais? Je ne voudrais pas vous déranger, mais j'aimerais vous demander de m'aider.
Ah, ça peut être bien ça. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. J'aurai besoin de votre aide pour obtenir les données correspondantes. Alors... Vous voilà! J'ai une chose importante à vous dire. J'ai mis au point une théorie de synthèse de matériel d'invocation, chose que l'on croyait jusqu'à présent impossible. Une découverte de la plus haute importance. Elle réfute l'hypothèse selon laquelle les matériels d'invocation n'existent que sous forme naturelle. J'aimerais vous demander de m'aider à mener une expérience sur le sujet. Vous devrez utiliser le simulateur de combat et vaincre une créature reproduite avec des données dans l'arène virtuelle. Je détecte chez vous une interrogation quant à l'idée de combattre des données. Ok. Faites-moi signe quand vous serez prêt à tenter l'expérience. Bon, on verra plus tard ça. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Blablabla. Ça j'ai fait. Cloud, merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Ouais, t'inquiète, je vais continuer de t'aider, moi. C'est quoi ça? Ah, c'était pour les rapports. Dépêche-toi de choisir. À plus. Ouais, à plus. Il faut savoir se défendre seul. C'est une des règles de base du bidonville. Sans titane. Reviens quand tu veux. Je vais prendre... Alors, qu'est-ce qui t'intéresse ? Je vais te vendre des trucs déjà. Regardez, on sait jamais. Je
Prends-en bien soin, d'accord? T'as l'air plutôt fort, en tout cas. Alors, je le donne à qui, maintenant? Tu as tout ce qu'il te faut pour te protéger? Ils vont pas faire exploser la ville. Je suis pas passé par là encore. Par ici, il paraît qu'on peut voir des fantômes. J'ai peur. Y a un truc qui va pas? Oui. Il y a eu un petit problème dans le repère des enfants. Un homme en noir est entré dans notre base secrète. Il a fait peur à mes amis. Ils sont allés dans la vallée. Un Turc? Non, j'ai pas l'impression. C'est l'homme au manteau tout abîmé. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le bras. C'est plutôt inquiétant. Je vais aller voir ça. Je viens avec toi. Je connais un homme comme ça. Ok. Par ici! J'écris bien? Ah, c'est ouvert ici maintenant. Ils ont de l'éther dans leur classe. C'est pour se droguer, ça. Allez, malheureusement, il commence à se faire tard. Et cette partie-là, ce sera donc pour la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.